Bonjour à tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Tampin Up dans le nord de la France. Et aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble ce duo de cartes qui n'est pas de moi. C'est une carte, un duo qu'on a réalisé pendant la réunion de lignée. Ce sont les cartes de Val. Alors merci Val et allez, c'est parti. On va faire une nouvelle version avec d'autres papiers. Pour cette version, j'ai eu envie d'utiliser un des papiers que vous pourrez obtenir dans l'exclusivité Internet. C'est un achat que vous ne pouvez obtenir qu'en passant votre commande par Internet. On va les disposer comme ça, face contre face, le même côté. J'attrape mon coupe-papier. On va déjà les découper à la taille normale, qui est donc 9,5 cm, puisque c'est une... Il va y avoir un matage entre deux, donc 9,5 sur 13,8. Et puis, toujours en les maintenant ensemble, on va couper une diagonale comme elle vous... Vraiment comme vous la sentez, comme on dit. Vous le faites selon votre inspiration. Allez, je la fais plutôt comme ça. Et donc, ce sont ces deux formes qu'on va conserver. On va juste les alterner pour faire deux cartes. On va pouvoir d'ailleurs tout de suite les coller sur un matage blanc. J'ai pris blanc pour faire ressortir, comme sur le projet de Val d'ailleurs. On va les coller comme ceci. Donc les morceaux de papier blanc, eux, mesurent 14,3 cm sur 10. Et donc on va les poser en gardant le plus possible la même marge sur tous les côtés. Et je dispose mon papier comme ça, bord à bord. Et puisqu'on a tout découpé ensemble, on a vraiment pile poil les mêmes dimensions. Je fais la même chose avec l'autre. Là, je commence par le bas. Et voilà, et puis cette partie-ci, il faut juste pas trop se perdre, ne pas s'en mêler. Si on les laisse disposer ensemble, normalement, on s'en sort sans trop de difficultés. Hop. Voilà, pour le ruban, on va mettre, alors c'est un petit nœud très simple, on coupe un ruban aux mesures de la carte. C'est presque un nœud en trompe-l'œil. On va le coller. Moi, j'aime bien les coller avec des points de colle, mais vous pourriez le coller vraiment aussi avec de l'adhésif découpe facile, tout conviendra. Je le dispose. Hop, et je colle mon ruban à l'arrière et je laisse se poser comme il le souhaite. Donc c'est pas forcément dans le sens dans lequel j'irai naturellement, mais il suffit de suivre le papier. Je fais la même chose avec l'autre. Voilà, et en fait on va en faire un petit nœud en trichant. On va le passer ici en dessous et on va juste le nouer de façon très facile. Ça donne l'impression que vous avez noué un seul morceau de ruban. Si vous avez envie, je vais attraper ma baguette magique pour récupérer un point de colle et puis le mettre en dessous. Ça évitera qu'il se balade trop sur la carte. On va faire la même chose avec celui-ci. Ça évite, je trouve, c'est une technique assez sympa qui évite de batailler pendant 10 minutes avec le papier et le ruban. C'est vraiment assez simple à faire et ça fait son petit effet. C'est vraiment un beau un trompe-l'œil qui fonctionne bien, je trouve. Hop, on va pouvoir coller ça sur la carte elle-même. Je passe mon temps à vouloir attraper mon adhésif à sa place alors qu'il est sorti.
J'ai préparé deux bases de cartes en pétale rose. Je vais pouvoir le plier. Je fais la même chose avec la deuxième carte. Vraiment, je trouve ces papiers très jolis. On va pouvoir s'amuser tout plein avec ça. Je suis en train de me demander si mes fleurs sont pas à l'envers. J'ai dû mettre mon papier à l'envers. Eh bien, qu'à cela ne tienne. Ou alors, c'est moi qui tiens ma carte à l'envers depuis tout à l'heure. En fait, c'est juste ça. Je tiens ma carte à l'envers depuis tout à l'heure, je pense. Ça n'est pas grave. Vous n'avez rien vu. Pour mettre le souhait, j'ai découpé deux petites languettes de papier pétale rose. Il mesure 7 cm sur 1,9 si je ne m'abuse, c'est pour pouvoir le glisser dans la perforatrice. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez aussi le faire avec une paire de ciseaux. Mais comme je ne suis pas très bonne, vous le savez, avec une paire de ciseaux, j'ai préféré jouer ça de manière assurée. Et on va le faire avec la perforatrice. Je vais rajouter deux petits cœurs comme l'avait fait Val sur son projet. Et puis pour découper mes petites languettes, hop, je glisse ça dans la perforatrice. À l'arrière, je vérifie que je suis à peu près au milieu. Et hop, on a un petit fanion. Vous pouvez le faire aussi, je vais vous montrer avec une paire de ciseaux. C'est vraiment juste, comme je vous disais, je ne suis pas très bonne pour les choses à vue d'œil. Si vous voulez le faire vous-même, quand vous avez votre papier complet, vous faites hop une découpe au milieu et ensuite depuis le bord, vous découpez comme ça de chaque côté. Mais je vous dis, mes deux bords de fanion n'ont jamais la même orientation parce que je suis vraiment pas bonne. Donc je préfère le faire avec la perforatrice. On va utiliser des Stampin' Dimensionals pour coller ça. Que ça donnera une petite dimension à la carte et ça j'aime bien. Et puis je vais faire comme j'avais fait, je ne sais plus si c'était comme ça sur le projet de Val, je pense que c'est moi qui avais fait autrement, mais j'aime bien avoir deux versions quand même, une avec le souhait en bas, une avec le souhait en haut. Hop, et voilà, deux cartes vraiment prêtes très rapidement. On va même, tiens, j'allais oublier, y déposer des petits, alors ça s'appelle des pois givrés en vrac. À nouveau, ça fait partie de la même collection que vous pouvez obtenir en ligne. Je vais déposer quelques petits points ici de colle. Allez, on va en mettre trois pour attraper. Des petites décorations, je vais les choisir de cette couleur-là. Alors, c'est pas très grave si votre colle bave un peu comme ça sur le côté. C'est une colle qui sèche transparente. Donc, vous ne la verrez plus quand elle aura séché. J'essaye d'en attraper un autre. Il est dans le bon sens, oui. Et hop! Comme ceci. Je trouve ça sympa comme tout. Et alors, ces lots-ci, je ne sais plus, je crois qu'il y en a 360 à l'intérieur. Donc vraiment, ça paraît sans fin. Ça demande juste un petit peu plus d'organisation que des ornements qui ont déjà leur point de colle. Et voilà, deux cartes avec des petits ornements en plus. J'espère que ce petit projet vous aura inspiré. Un grand merci à Val qui a fait l'original. Je vous représente ce qu'on a utilisé. Donc le set de tampons, je ne voulais pas présenter, les souhaits venaient du set de tampons bouquet de cœur. Et le ruban s'appelle ruban miroitant. Voilà, j'espère que tout ça vous aura inspiré. Si c'est le cas, pensez au petit pouce. Vous retrouverez toutes les mesures sur mon blog et les références pour vous acheter les fournitures qui vous feraient envie. Voilà, j'espère que vous passerez d'ici à notre prochaine rencontre de belles journées créatives et bien entendu, je vous embrasse.